On parle souvent de la génération millénium et ils ont un mode de consommation qui est extrêmement différent de celui de ma génération. Et notamment avec le do it yourself, en voulant des produits qui sont bruts, en voulant connaître la provenance des produits et en admettant parfois d'accomplir un effort pour avoir un produit de qualité et surtout de ne pas consommer quand ils peuvent ne pas consommer, mais optimiser l'existant. Nouveau mode de consommation, je crois que les choses ont été dites. Les milléniums, ils auront leur goût spécifique. On voit bien qu'il y a une mutation du goût. Que quelle que soit la génération dont on parle, on peut dire que c'est meilleur quand c'est bon quand même. Il y a vraiment une demande partout dans le monde d'une nourriture plus saine, plus digeste, plus accessible à tout le monde. Je pense que le lien entre la santé, le bien-être et la qualité intrinsèque des produits aujourd'hui n'est pas à démontrer. Les attitudes progressent. On est vraiment une plateforme d'économie collaborative. Et c'est pas nous qui sommes en charge finalement des distributions, des produits, du recyclage, etc. Par contre, on met toutes les conditions en place pour favoriser une économie plus circulaire. Et c'est vrai que dans les ruches, on voit énormément de bonnes pratiques qui se développent autour du zéro déchet, puisque c'est une tendance avec beaucoup de producteurs qui vont récupérer des déchets, qui vont essayer d'en faire quelque chose, etc. Pour que, voilà, en tout cas pour avoir un impact positif sur l'environnement. Effectivement, nous, on essaye de prendre en compte ce qu'ils attendent des consommateurs et on essaye de valoriser nos retours. Les retours de matelas qui nous sont retournés dans les 100 jours, on les donne intégralement à Emmaüs, qui les distribue, qui les vend pas, mais qui les distribue à des personnes qui en ont besoin. Toute l'équipe de Raise partage complètement ce qui a été dit par Georges, Julien et Marie-David. Merci infiniment à tous les trois.